замыкающим на Comme tout le pour la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Pour ceux qui sont dans le direct et qui sont pressés, ne venez jamais au deuil étant pressé, Restez chez vous. Ne venez jamais suivre quelqu'un qui serait très long et qui n'a rien à faire de ses journées. Restez chez vous. Restez dans vos positions. Ne venez pas écouter avec pression alors vous n'allez rien comprendre. Restez chez vous. J'espère que vous allez bien, la famille. On dit chez nous en patois, quand tu acceptes de lancer, prépare-toi à lancer toute ta vie. Donc, tu dois lancer toute la vie. Ça veut dire que même si la mort va t'emporter en chemin, tu avais accepté que tu vas lancer. La manipulation de nos élites, soi-disant nos intellectuels. Je voudrais ici parler. Je vois sur la toile, beaucoup de personnes sont un peu perdues. Je vous avais dit depuis le début de cette lutte-ci que la lutte, c'est pour les personnes qui sont déterminées. Et chacun se crée un chemin dans la lutte. Ne venez jamais dans la lutte parce que d'être colonial lutte de cette façon-ci. Est-ce que ce que je peux vous expliquer Est-ce que vous comprenez de la même façon que moi, mais je comprends Non, je pense que vous ne le comprenez pas de la même façon. Alors, quand on vient dans une lutte, première des choses, c'est de se fixer une objectif. C'est comme. C'est comme quand tu veux faire du business. Tu te fixes un objectif dans le business à atteindre. Si vous venez dans la lutte avec l'objectif de quelqu'un d'autre, alors vous ne pouvez jamais atteindre le, le, le bout du tunnel. Vous allez tous perdre la vie, vous n'allez pas arriver. Parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas de détermination dépend de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si cette personne-là un matin dit je ne suis plus là-haut avant qu'il se tourne derrière, vous allez en brousse. Puisque c'est lui seul que vous suivez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Si quelqu'un dit je vais lutter, il ne se fait pas encore tard. Hein? Parce que la lutte vient de commencer. Je vous ai dit, ce n'est pas la précipitation. La lutte n'est pas la précipitation. La lutte vient de commencer. Nos parents luttent depuis la nuit des temps. On a tué combien de personnes juste pour la libération de cette Afrique-là Afrique-là même là-haut, qui avait donné le nom Peut-être c'est leur nom-là à cause de leur revendication du nom qui finit par nous emprisonner, nous torturer, nous tuer. On meurt, pourquoi? Juste pour nous recouler de le de peau, on est tué. Juste pour nous de couleur de peau, la justice est injuste. Juste pour nous de couleur de peau, ce qu'on pense n'est pas réel. Je voulais vous dire, la famille, il n'est pas encore tard. Comme je vous avais dit hier, c'est là deux ans. Ceux qui peuvent sortir de la lutte, sortez sans raverser les assiettes. Parce qu'après vous, il y a ceux qui vont venir derrière vous qui seront encore plus violents que vous. Ne soyez pas les job Ne soyez pas les ceux qui mangent les casse-assiettes. Si vous n'en pouvez plus, reculez-vous derrière. La lutte, c'est les convictions. Vous voyez la lutte panafricaine là La lutte pour le respect du peuple noir, c'est comme une religion. C'est une religion. Ne venez pas prendre ça pour un jeu. Beaucoup de personnes ont perdu la vie, ont laissé la vie en chemin pour cette lutte-là. Si vous pensez qu'aujourd'hui, avec des caméras, vous êtes venus prendre ça pour un jeu, sortez dans le, le rêve, c'est un mauvais rêve. Nous, on n'est pas venus dans cette lutte-ci pour jouer. Chaque jour que Dieu a créé, on prie à Dieu que la terre nous emporte le plus tôt possible, mais qu'on puisse faire quelque chose avant de s'en aller. Je ne sais pas si le bavardage qu'on fait ici, si vous tirez profit de cela, si ça vous amuse simplement. Les gens laissent la peau. Vous savez ces gens-là dans leur bureau, vous savez combien de listes, comment ils sont les pensées machiavéliques. Dans leur tête tous les jours, on peut faire comment pour exterminer ceux qui bavardent autant. Mais ils regardent sur la présence et qu'au fur et à mesure qu'on coupe les têtes, ça pousse comme les bananes. Tellement nombreux. Je vous ai dit ici plusieurs fois, ne soyez pas la honte de votre génération. Ne soyez pas de ceux qui vont torpiller la lutte. Ne soyez pas de ceux qui vont gâter. Ne soyez pas de ceux qui, un jour, auront honte. Parce que pendant qu'on applaudissait, il avait les bras croisés et il riait. Regardez le chat. Nos enfants sont dans la rue pour manifester. honte t Des militaires se transforment en jadis. Pour se planquer dans les rues, pour tuer sur les enfants. Pour tuer à balle réelles. Et le lendemain, ces gens-là sont dans les télévisions. Vous savez ce qu'ils disent? Tout est revenu au calme. Tout est revenu au calme sur Njamina. Quand vous écoutez comme ça, qu'est-ce que ça vous fait dans la tête? Ça veut dire, avoir, après avoir perdu les enfants, on vous dit que tout est revenu au calme. Et vous, vous prenez cette lutte-là pour un jeu. Les gens meurent tous les jours. Hein. Les gens meurent tous les jours pour cette lutte-là. Tous les jours. Tu es même en cachette. Tous les jours. Empoisonnés en cachette. Mais vous êtes encore derrière les trucs à demi-debout. Je vous avais dit ici. J'ai répété plusieurs fois. Un bon lutteur ne suit pas un parti politique. Je recommence. Quelqu'un qui lutte. Avec détermination, ne suis pas un parti politique. Ça veut dire que vous pouvez avoir des problèmes un million de fois, vous n'allez jamais prendre conscience de cela. Quelqu'un qui dit je suis déterminé ne suis jamais un parti politique. Ne perdez pas le temps pour parler d'un parti politique. Ça, c'est la lutte déterminée. Je me suis tué ici à vous dire il faut que la lutte soit décentralisée. Vous pensez que je parlais de seulement de ceux qui vivent au pays Je parlais de vous-même. Je parlais de ceux qui sont en diaspora, qui sont perdus. Vous allumez des caméras durant une heure de temps. Vous perdez votre temps à parler d'un parti politique. Aujourd'hui, quand c'est parti politique, vous êtes derrière. Quand c'est l'activisme, la, 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 vous êtes derrière. Mais un activiste ne peut pas avoir un parti politique. Il peut aimer ce que fait ce parti politique-là, mais il n'adhère jamais à ce parti politique. Peu importe, le parti politique monte à haut, il descend, ça c'est leur problème. Quand le parti politique glisse, vous cognez. C'est ça un activiste. Un vrai activiste doit comprendre que chaque année dans nos pays il y a les élections. Ça aboutit à quoi? Les élections. Les intellectuels viennent nous expliquer ce que les histoires dont ils ont mis debout. Les élections ont déjà abouti quoi dans nos pays Dans un an, il y aura les élections au Congo. Ça veut dire que Dioré a fait ces 4 ans ou ces 5 ans passés. Comme les Blacks. Ils vont encore dépenser 600 millions d'euros pour refaire encore les élections. Vous pensez qu'un activiste sérieux peut perdre son temps à parler des choses comme ça Parler des élections présidentielles Dans un pays dirigé par la France Vous y croyez vraiment Aujourd'hui, les Camerounais ne regardent pas ce qui se passe dans les autres pays, ne regardent pas ce qu'il va faire pour libérer l'Afrique. Ils regardent le vent d'un parti politique. Que je vous vois vous tirailler sur la toile pour un parti politique. Pour un parti politique. Des personnes qui vous parlent encore de jeu politique. Vous pouvez m'expliquer ici en commentaire c'est quoi le jeu politique Est-ce que vous pouvez écrire ici en commentaire c'est quoi le jeu politique J'ai envie de voir c'est quoi le jeu politique. Vous vous dites activiste, Vous perdez des minutes pour parler d'un parti politique. Parti politique. Politique. Non, le chemin est très long pour nous. Le chemin est très très long. Pour moi, villageois veut dire intelligent. Villageois veut dire sage. C'est pas un intellectuel. Laissez eux entre eux s'embrouiller. Mais vous savez le chemin que vous allez emprunter. Qu'est-ce qu'on a à foutre s'ils si vont faire les élections chaque trois jours? Chaque cinq jours? Chaque semaine? Faire des élections. Qu'est-ce qu'on a à foutre s'ils si partent ou ils ne partent pas? Qu'est-ce qu'on a bien à cirer? Si les gens vont faire les élections chaque trois ans, si les gens n'ont pas de députés, qu'est-ce qu'on a foutu On parle d'une lutte profonde. On a pris un chemin sur lequel on va tous perdre la vie. Mais vous n'êtes même pas conscient. Vous ne savez même pas où vous avez mis les pieds. À longueur de jour. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup dorment chez eux, dans leur chambre. Vous savez, il y a des gens l'habitude de dire mon dos n'est pas le ou c'est le répertoire ou le répondeur mais tout ce que vous avez vous écoutez service secret là ce genre là de travail je dis tous les c'est leur travail comme vous vous levez peut-être pour aller porter les papiers quelque part leur part de travail c'est de trouver moi voix et moyens. comment vous vous taire comme dit les mexicains comment vous coupez la langue parce que vous les faites une guerre sans merci. Vous êtes en train de d'édifier le peuple africain, de parler au peuple africain, de les inciter à comprendre comment faire pour se libérer. Pendant ce temps, vous avez des heures et des minutes à perdre pour les élections. Vous voulez que je vous explique ce qu'est les élections Vous voulez que je vous explique ce qu'est ce parti politique-là Je vous dire un petit truc que vous n'avez jamais compris. Et je vous explique ça tête à terre. Vous connaissez un truc qu'on appelle les fémins Les man, les gens qui, qui font les gens là. Vous savez comment ça fonctionne Quelqu'un qui sait comment les fémins fonctionnent, c'est comme ça que le parti politique fonctionne. Je vous explique un peu. Un peu tout petit, et pas beaucoup. Il y a une première personne qui part rencontrer le Mugu. Il parle quelque chose au Mugu. En faisant croire qu'il y a quelqu'un d'autre derrière qui est peut-être le milliardaire. Cette deuxième personne-là vient montrer au Mougou l'argent qu'il a importé. Avec leur premier jeu, ils vont prendre ce qu'ils vont prendre. Ils vont partir. Une autre personne qui reviendrait derrière dit au Mougou Non, t'inquiète pas. Nous, le peuple camerounais, on est des Mougou. Nous, le peuple africain, on est des Mougou. On dit Ne vous inquiétez pas. Celui qui reviendra là, c'est le bon. Pendant ce temps, on attend. Alors qu'ensemble, ils sont toujours ensemble. Je vais vous dire quelque chose. En Afrique, un politicien que moi, activiste, je peux l'écouter, c'est celui qui parle sans tabou. Je vais vous prendre un exemple sur, le, sur tous vos politiciens que vous avez au Cameroun, par exemple. là. Si on dit à ce politicien-là qu'on va l'assassiner demain, il ne va jamais allumer une caméra comme moi ici. Il dit, on m'a promis que je serai assassiné. Il ne va jamais vous dire. Vous savez pourquoi parce qu'on va dire que ce n'est pas un vrai homme d'État. Ça, c'est encore le langage français. Ça veut dire, meurt en silence comme un serpent, ne dit rien à d'autres. Ça veut dire, il ne peut jamais nous aviser pour qu'on fuit. Il va cacher, il va dire, euh, oui, comme vous voyez, la situation, il va vous dire le contraire de ce qu'on en le promettre. Alors qu'on dit qu'on va les gaucher. Nous, Africains, aujourd'hui, le politicien qu'on veut, c'est celui qui, quand il est un peu étouffé, il nous raconte la vraie version. Nous, on est les activistes. Vous pensez que ce parti politique-là n'a pas eu de secret sur ce pays-là, le Cameroun Ou sur Pomba-là, qui pouvait nous dire pourquoi on balance ça sur la toile Ou parmi nous, il n'y a pas de personnes assez sages et intelligentes qu'on peut leur donner l'information, là Non, ils gardent tout ça pour lui et pour eux. Ils ne font pas sortir l'information. Comment moi, je veux faire confiance à quelqu'un que l'information ne sort jamais de sa bouche Celui à qui je combats ne sort pas l'information. Celui qui veut le remplacer ne sort pas l'information. Et je le suis comme un idiot. Vous êtes des idiots, vous. Vous êtes des idiots. On peut tromper ceux qui n'ont pas de connaissances. Vous avez beaucoup de connaissances. Soit vous êtes ensemble. Soit vous faites semblant. L'un des deux, vous êtes quelque chose. Quelqu'un qu'on est activiste. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Tous les activistes de l'Afrique de l'Ouest là. Ceux qui sont au pouvoir, les donnent des informations. Il n'y a qu'un Afrique centrale qu'on n'a pas. Et celui qui dit qu'il va venir combattre, celui qui est là depuis. Pendant ce temps, on nous embrouille à longueur de journée avec les têtes de chef. Je vous vois derrière. Les têtes de chef avec les draps rouges. Je vous vois derrière. Non, le chemin est très long. Un vrai activiste, si vous voulez montrer désormais que vous êtes vrai, ils veulent aller aux élections. Ça, c'est leur problème. Ils ont perdu les élections. Ça, c'est leur problème. Ils ont gagné. Ça, c'est leur problème. Ton rôle d'activiste, c'est quoi? Je ne fais pas de ceux que je supplie pour rentrer au Cameroun demain. Non, 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 non. Non, non, non. Où je suis, c'est moi qui l'ai choisi. Vous avez compris un jour que j'ai demandé que les au Cameroun chassé. Moi, j'ai choisi d'être ici. J'ai choisi. Et je vais leur faire une lutte. J'ai dit même sur une jambe, je les je, je ferai la guerre. Je n'ai pas demandé à dire, non, je, je peux rentrer au Cameroun. Non, j'ai dit, je veux être en exil. C'est moi qui ai choisi mon exil. Je suis la poussière de ces continents-là. Dans mon rêve, c'est un jour rentrer dans ces continents-là, peu importe où je me trouve. Mais vous tous, vous avez la peur dans le ventre. Beaucoup même accusent des autres de l'avoir de la bloqué en exil. Vous êtes activistes, vous suivez un parti politique, vous êtes cohérent. Ça fonctionne bien langue. Il n'y a pas un truc à manquer. Donc je vais dire, je ne suis pas la honte de ma génération. Je veux suivre quelqu'un qui peut me noyer demain. Je vais sauver quelqu'un que je n'ai pas mon mot à dire. Je chasse un roi pour mettre un roi. Depuis que vous êtes petit, vous avez vu combien de rois tombés. Vous avez vu combien de rois tombés. Un roi va partir, un autre va le remplacer. On n'a pas nos mots à dire. On tue les enfants au chat. Vous êtes incapable de vous concentrer à parler du problème. Les enfants sortent dans les rues en Afrique et on tire sur eux tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas organisés. Parce qu'on ne parle pas de comment faire pour faire une manifestation. Ils sortent seulement avec la colère. Ils se retrouvent dans la rue et ont tire sur eux. Et l'Afrique, à chaque fois, ça se répète parce que quand on -il sur les gens, ils rentrent à la maison. Le lendemain, ils ne ressortent pas. C'est l'esprit du colon. Où sont nos intellectuels? Ils ont passé le temps à apprendre seulement comment nous manipuler. Comment nous mentir Nous aider à mourir. L'anesthésie qu'on a sur le corps en Afrique, c'est ceux qui sont allés apprendre les études. On les a fait confiance. On a dit qu'ils étaient devant. J'ai dit et je répète un politicien qui veut prendre la tête dans un pays doit être vrai. Si déjà tu as des secrets que tu caches, alors nous, on va se préparer à te combattre, puisque nous, on n'a pas confiance à toi. Tu viendras cacher comme l'autre cache depuis 1982. Celui que vous combattez autant, qu'est-ce que vous connaissez de lui? Il vous parle? Vous savez ce qu'on dit dans mon village? Qui sont sages comme la chic. Ils cachent tout. Ne pensez pas passer moi ici de l'ouest, que s'il y a un truc de je vais venir vous... Je ne suis pas à boulot. Hein? Je vous combat direct. Je vous explique qui vous êtes direct. Si vous n'apprenez pas à dire aux Camerounais exactement ce qu'ils veulent comprendre, ceux qui vont vous suivre vont vous suivre. Je ne suis pas la honte de ma génération. Je ne viendrai pas suivre comme un coq qu'on a coupé la tête. Non, j'ai encore un cerveau. Nous, la nouvelle génération, la France n'a pas peur de vous. Ouais. Ils ont peur des petits bananiers qui poussent un peu de partout. Ils ont peur de la jeunesse qui ont déjà un fa... Vous savez. Il y a un truc que les colons ont fait depuis la nuit des temps. Mais maintenant, ça les a échappés sur la main. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Je vous avais dit que ça, ça, c'est une arme. Mais beaucoup ne le savent pas manipuler. Je ne sais même pas comment l'utiliser. Beaucoup ne savent pas manipuler. L'erreur que les Occidentaux ont fait était de laisser que les frontières soient brisées entre nous. Parce qu'on n'a jamais su se libérer parce que les frontières étaient coupées. Vous vous imaginez? Il y a des Africains qui ne savent pas que le franc CFA qui est utilisé au Cameroun n'est pas le même franc CFA qui est utilisé au Sénégal. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. J'ai tenu une conversation comme ça avec un Sénégalais. Il était surpris. Il, était, il, il, il me dit qu'il connaît un intellectuel en plus. Je lui dit, ton intellectualisme-là, c'est pas où Donc tu es venu fréquenter, c'était le voir qui va rentrer. Les histoires même de ton pays, tu ne connais pas. Il ne connaît pas que le franc CFA du Cameroun n'est pas le même franc CFA du Niger. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest n'ont pas le même français. Beaucoup ne le savent pas. C'était quoi C'était les frontières. C'était de nous bloquer. Qu'on ne puisse pas parler ensemble. Quand ils sentent qu'on s'entend un peu, ils mettent les rebelles dans nos frontières. Qui sont ces rebelles-là Nos enfants qui n'ont pas de travail. Qui sont ceux qu'on tue dans la rue Nos enfants qui demandent la liberté. On demande quelle liberté On veut juste être libre. On veut juste être libre. Ceux qui sont tués, c'est la liberté qu'ils demandent. Aujourd'hui, est-ce que la France peut toujours dire la France des droits de l'homme Vous savez que de la, de la dictature les embrasse partout. Partout, ils n'ont plus de parole. D'ici peu, même Macron ne pourrait plus jamais prendre la parole sur le nom de l'Afrique en public. Parce que tout ce qu'il va vouloir dire, on va le répéter par le même mot. On dit, monsieur, ce que vous avez dit hier n'est pas ce que vous dites aujourd'hui. Vous n'êtes pas cohérent dans vos propos. Il n'avait jamais été cohérent. C'est juste qu'il n'y avait pas de caméra pour inoptiser les mots qu'il disait. Chacun est venu suivre la liste. Nos enfants sont tués par celui que Macron est parti mettre au pouvoir. Il tue des gens. Est-ce que ce sont des terroristes Ceux qui sont de tuer nos enfants, on les appelle comment C'est l'armée coloniale Il faut qu'on nous explique. Dans un pays, les personnes qui sont censées protéger les autres manifestent et ont tissu eux à balles réelles. Jusqu'à compter les morts, jusqu'à dire que le calme est revenu, c'est de quel calme vous parlez C'est calme parce que les gens sont au cimetière pour enterrer les morts. Il faudrait que nous, activistes, on trouve plutôt une autre solution. Comment faire pour que nos enfants puissent sortir et manifester Parce que vous allez comprendre quelque chose. Déjà, des pays où on pratique l'islam, je vous ai tout dit, et je vous ai répété plusieurs fois, ils ont le courage de sortir et manifester. Parce qu'il n'y a que le christianisme qui nous a menti depuis la nuit des temps. On dit que gifler ici du temps, ici on gifle encore. Depuis quand Est-ce qu'on peut vous gifler en route Mais la réalité, en est que même le prêtre. Quand il n'est pas dans sa tu le gifles, il va rendre. Hein? Pourquoi nous dit des mots qu'on ne peut pas pratiquer Si vous voyez l'Occident combattre l'islam au temps, comme ils le font tout le temps, et graver tous les mots autour de cette ce, 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 ces religion-là, c'est parce que ces gens-là sont déterminés. Regardez par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. Les mamans qui ont perdu leurs enfants, les frères qui ont perdu leur papa, leurs cousins, leurs, leurs amis, nos fils qui ont perdu la vie en Jamena. Vous savez ce que leur frère dit dans le cœur des gens C'est la volonté de Dieu. On avance devant. La France peut faire tous les manigans qu'il veut. Le seul place qu peut encore, la seule place qu'il peut encore tenir, encore même peut-être pour 10 ans, c'est l'Afrique centrale. Parce qu'il faut savoir que tout l'Afrique de l'Ouest, 80% des gens de l'Afrique de l'Ouest pratiquent l'islam. Même ceux qui ne pratiquent pas une idéologie en eux, que ce n'est pas facile de l'effacer. Les, les Et ça, ça fait peur à la France. Et déjà, quand on communique, ces gens-là suivent des directs. Ça les formate ce qu'ils ont dans le cerveau. Voilà pourquoi ils ont peur. Maintenant, nos intellectuels, qu'est-ce qu'on fait Ce sont des mendiants. Je vous ai dit, la mendicité est une maladie incurable. Nos intellectuels, quelqu'un qui est intellectuel et qui n'a rien dans la poche, vous pensez qu'il est intellectuel Non, non, non. C'est un affamé. C'est un affamé. Un intellectuel qui n'a rien dans la poche, c'est un affamé. Un affamé est plus dangereux qu'un théoriste. Quelqu'un qui a faim est plus dangereux qu'un théoriste. Vous savez, il y a quelque chose que beaucoup de nos frères doivent comprendre. Notre liberté dépend d'abord de notre compréhension. Il y a des choses que si on n'arrive pas à comprendre, on ne peut pas être libre. On peut tout faire. Mais pour qu'on soit libre, il faut un niveau de compréhension. Il y a beaucoup de choses qui arrivent chez les gens. Mais ils ne savent pas l'analyser. Ils disent tout et n'importe quoi. Ils fonctionnent sur les émotions. J'en ai vu beaucoup. Je, je je, Rappelez-vous que je passe la semaine, je regarde la toile, je regarde ce qui se passe. Je regarde les erreurs qu'on fait tout le temps. J'ai pris un exemple le jour à un frère pour le dire. J'ai eu deux Camerounais qui étaient en prison. Ces deux Camerounais étaient en prison. C'était sur ma charge. Les problèmes reposaient sur moi. Mais un autre activiste m'a demandé, c'est qui les Camerounais qui sont en prison Je les ai cachés. Du début, dont les enfants ont fait pratiquement 8 mois de prison, ils n'ont jamais su qui étaient les enfants. Mais dès que une seule des activistes a su qui était l'autre prisonnier, on a tabassé le petit en prison, on a failli le tuer. Mais l'autre prisonnier qui a fait même plus grave que l'autre, dans ça veut dire que l'autre n'avait même rien fait. L'autre a fait plus pire. Il a fait ses deux ans de prison, il est sorti en silence. C'est-à-dire que même les services secrets camerounais aujourd'hui ne connaît pas que ce personne-là, qu'est-ce qu'il faisait On l'avait arrêté en vertu de quoi donc le a des choses d'autre qui est le contraire de ce qu'il faisait. Tout ça pourquoi Parce qu'il faut utiliser l'intelligence. Si on veut lutter contre un système, parce que nos frères, que ce soit ceux qui sont dans l'armée, ils ont un enseignement qui n'est ne, qui pas le nôtre. C'est quelque chose que vous allez d'abord mettre dans la tête. Les militaires africains ne sont pas éduqués par les Africains. Même si un Africain vient pour être le maître ou le chef, a été aussi appris par les Occidentaux. Qu'est-ce qu'on a mis dans la tête vous pensez que quelqu'un qu'on a dit que dans poulet là il faut oublier t donc le lieu de poulette il faut dire poulet il viendrait vous lire le contraire écrivez un commentaire est ce qu'il viendrait vous dire le contraire de poulet là il va toujours écrire ce qu'on avait appris si tu écris le contraire en oubliant le t, il va te corriger il va dire c'est faux parce que le colon l'a appris que ça s'écrivait comme ça vous attendez un sentiment nouveau en, dans le rang de nos armées. Ils ne pourront pas changer. Ils ne pourront pas changer. C'est pour ça que les Gota changent et le colon s'inquiète. Il va dire, ce n'est pas un bon soldat. On ne les a pas appris à se comporter comme ça. On les a appris à nous mater, à nous tuer, à contrôler le pouvoir pour eux, à protéger leur richesse, puis vu qu'on peut pas mourir en Méditerranée, en mer et partout. Qu'on ne soit respecté nulle part. Quand il demande un peu de respect, on s'en fout. Vous pensez que quelqu'un qui a été éduqué par quelqu'un d'autre peut venir chez vous faire le contraire Je vous prends un exemple simple. Prenez quelqu'un qui est témoin de Jova. Étant petit, on met le poussin sur sa tête. Le poussin s'envole et tombe à terre. On dit que c'est le poussin de ta vie. On dit ça comment en français mangamboum Le témoin de Jova. Il n'était pas témoin de Jova dans son enfance. Mais il va à la capitale. Il arrive à cause de la pauvreté. Il suit des choses inutiles. Il devient témoin de Jova. Il revient, il arrive au village en vacances. Il voit le poulet passer. On dit Non, le poulet là, tu ne peux pas tuer parce que c'était le poulet de ta vie. Il écrase, il met dans la mamite. On dit Voilà les crânes qu'il faut protéger. Il dit l'écriture a dit que. Il déterre l'écran et jette. Vous pensez qu'il va se comporter comme vous pensez encore? Il a une autre éducation. Il suit quelque chose d'autre. C'est ce qui se passe dans nos pays africains. Notre ami, ils sont nos frères sur la couleur de peau. Ils n'ont plus de pitié parce qu'ils ont un enseignement. L'enseignement a enlevé la pitié. Dans nos pays, depuis la nuit des temps, on se bat pour quoi? Et on se bat toujours entre nous. On se bat toujours entre nous. Je vous dis quelque chose. Si l'Afrique arrive à se libérer, tout ce que vous écoutez, on dit Légion français, ça va finir. Légion étrangère, ça va finir. Tout ça va finir pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus de manigance là d'où on va nous prendre pour nous amener encore. J'ai quelqu'un, je n'ai pas envie de parler dans ce direct-ci. On manifestait ici ensemble. Tous les Camerounais le connaissent, mais le visage, les gens ne connaissent pas. Mais beaucoup de Camerounais le connaissent. Mais son visage, on ne connaît pas. Vous savez où il est maintenant? Peut-être qu'il ça ce direct-ci. Ça veut dire, on le prend ici, on l'envoie là-bas parce qu'il parle cette langue-là. On dit, tu vas aller là-bas travailler avec nous. Bien, il vient, et continue à travailler. Si je suis menacé, je mettre la photo ici. Je n'ai plus rien à foutre. De toutes les façons, quelque chose meurt, que les gens mangent ses fesses. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne tous. Et il faudrait que les Africains comprennent que on est arrivé à un moment où, si on laisse la lutte à nos enfants, peut-être la troisième guerre mondiale, ça serait qu'en Afrique. Parce que personne ne doit plus se laisser faire. Personne. Absolument personne. Le monstre que la France est allée mettre au pouvoir, Anjamena, a tué plus de 100 enfants. Tantôt c'est 48, tantôt c'est 57. De toutes les façons, vous savez que les médias, les meilleurs médias aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans la ville, qui branchent les caméras comme ça, ils parlent comme nous. Ils nous donnent la bonne information. Ils ne donnent pas l'information qu'on va dire, ce n'est pas un bon journaliste. Vous pensez que c'est fini Vous pensez que c'est fini Et la France maintenant se trouve. Dans une position de faiblesse, ils ont la crampe aux fesses. Pas dans le ventre. Aux fesses. Parce que tous les dictateurs africains aujourd'hui, ceux qui sont calés au pouvoir longtemps, quand la France veut les parler un peu menacé, ils, ils menacent seulement d'aller vers la Russie. La France, qu'est-ce que la France va faire? Les supporter dans tous les bêtises. La France est coincée dans, les, dans tous les chemins. Le fils a été de vie. eux ont tué le père. Parce que le père n'était plus d'accord dans leur situation. En tuant le père, on dit au fils que, de toutes les façons, il va tomber, mais toi tu prends. Le fils accepte. Le fils vient au pouvoir. Il arrive, il comprend que ça continue à être chaud. Il a l'autorisation de la France d'ouvrir le feu. Et si la France ne l'autorise pas, il va vers la Russie. Peuple africain, mon direct de ce jour était de vous dire, tous ceux qui se disent activistes, ne supportez pas un parti politique. Sinon, vous allez perdre votre crédibilité. Le parti politique a beaucoup de conditions. Le parti politique ne dit pas tout. Politique veut dire mensonge. Politique veut dire cacheterie. Politique veut dire piège. Ça veut dire que si vous piégez l'autre pour passer devant lui, vous allez le piéger. Je vous en prie. Sortez dans tout ce discours-là. Enlevez vos pattes dans tout ce qui est politique. Soyez de ceux qui crachent sans garder de réserve. Soyez de ceux qui conseillent sans garder de réserve. Soyez de ceux qui n'ont pas de parti pris. Les élections sont passées en 2018. Pomba a gagné. On a dépensé combien pour faire ces élections-là On a demandé le dialogue national. Le remaniement ministériel, Pumba ne l'a jamais fait. On a demandé le départ d'Atanganji, le tueur national. On pleut partout, Pumba Ils n'ont jamais rien changé. Vous voulez encore maintenant nous embarquer dans une autre élection présidentielle. Les gens restent derrière pour bavader. Vous bavader pourquoi Pourquoi vous bavadez c'est entre eux. Ils vont dépenser encore de notre argent. Bois du vin chaud pour se moquer de nous. On dépense combien chaque année pour une élection Mais tout le Cameroun n'a pas 900 km de goudron bitumé. Tout le Cameroun. On va dire il y a, Tu ne connais pas ce que tu dis Il y a 300 kilomètres. 300 On a le taureau du Cameroun avec l'agent des élections, on ne peut pas le faire. C'est quelle élection Pumba, c'est lui qui nomme les juges. Pumba, c'est lui qui nomme les procureurs. Pomba, c'est lui qui nomme la conseil, le conseil constitutionnel. Pomba c'est lui qui, qui organise les députés. Pumba, députés. attendez. Vous voulez voter, voter qui est changé C'est quoi que vous voulez changer Et je vois des personnes, à longueur de journée, vous perdez le temps pour parler de ça. Vous perdez le temps pour parler de ça. Non, ça vous dépasse Parlez d'autres choses ou fermez les caméras comme moi fermez un mois sans parler c'est pas grave c'est pas grave ce que vous avez à cultiver là ne venez pas avec vos pieds pour piétiner tous les sions s'il vous plaît ça fait même la beauté du champ laissez comme ça et on va aller à pâté ceux qui vous menacent tous les jours que si vous attaquez telle chose je vous fais ceci et vous passez le temps à répondre je vous ai dit depuis, on ne combat pas l'oncle maternel. L'oncle maternel est comme votre, votre maman. L'oncle maternel, on peut pisser sur lui. Hein. On peut dire qu'il est mort là, vous êtes le premier à aller faire pipi sur son tombeau. Mais l'oncle maternel, on ne le combat jamais. Tant que vous aurez compris cela, là vous allez lutter différemment. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre qu'on ne combat pas l'oncle maternel, je parle au Camerounais. Vous allez caler dans le champ, en train de regarder qui a dit quoi, qui a fait quoi. Je vous avez dit depuis le début de cette lutte. J'ai vu, vous êtes be beaucoup d'entre vous sont très naïfs. Vous embrassez tout le monde. Et quand je viens souvent ici parler, quand je mentionne la France, beaucoup d'artistes camerounais, et quand ils m'appellent, ils disent Ah non, il ne faut plus parler de. J'ai dit J'attends l'amour en face. J'attends l'amour. Je les attends. Vous pensez que physiquement, là, je représente de quoi je c'était il représente quoi Vous pensez que les 78 enfants ou les 80 enfants qu'ils ont tués en Jamena Si on me dit que toi, négro, si toi, les enfants là vont rester en vie, moi, je pars en premier. Hein. Je vous le dis sur l'honneur. C'est qu'on vit aujourd'hui. Si on ne met pas la détermination devant, on ne pourrait pas s'en sortir. On ne pourrait pas. Parce qu'il suffit que vous restez dans votre position là. Un matin, on vous dit, on a tué tel. Assimigoita est tombé. Et on a tué tel colonel. Ma gueule ne vit plus. Vous prenez un Il encore peur. Ils nous ramènent encore à 20 ans en arrière. C'est ce que vous voulez Est-ce que c'est ce que vous voulez Sortez dans des guéguins qui ne vous amènent nulle part. Quand quelqu'un fait quelque chose sur Facebook, vous vous asseyez sur un canapé d'abord, vous analysez, vous dites C'est que la personne a dit là Moi, si je parle de ça, ça me rapporte quoi Ceux qui vont m'écouter là, ils auront compris quoi vous laissez la personne dans son film. Ne jouez pas le rôle de quelqu'un d'autre. Chacun dans sa révolution si est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. N'abandonnez pas votre rôle pour jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Je vous en prie. Ceux qui veulent parler d'élection, laissez-les dans les élections. Vous n'êtes pas politicien. Moi, j'ai fait près de, je ne sais plus combien d'années même en Espagne, là, j'ai connu autant de personnes en Espagne. D'autres qui vivaient aujourd'hui en Suisse et en France. Vous savez où ils se trouvent aujourd'hui Avec la crise en Europe, en Espagne, beaucoup sont rentrés au Cameroun. Ils sont installés. Votre truc que vous appelez parti politique là, je les trouve tous dedans. Tous. Mais c'est des personnes que personne ne peut mourir pour personne. Je les connaisse. Je pas des gens qui sont allés au cadres. Si quelqu'un dit que je mens, je vous mets ici en défi. Des gens comme ça, qui ont passé leur vie en euros à couper des papiers pour gagner le, pour voler le blanc, ceux qui sont dans les partis politiques, et vous voulez les suivre, ils vont vous laver, relaver, relaver. Ça veut dire, que quand vous restez comme Mougou, on va, va vous voir le produit à la dixième position et vous allez payer. Est-ce que vous avez compris ce je veux dire Si quelqu'un pense qu'un jour, qu'on peut faire chemin ensemble, sont dans des histoires politiques. L'histoire des partis politiques, sortez de rien. Parce que sinon, vous allez dire aujourd'hui et demain dire son contraire. Soyez neutre Si les politiciens veulent aller aux élections, ça c'est leur problème. Rassurez-vous qu'au Cameroun, il n'y a pas de société civile. Hein? Pour une fois de l'histoire, je pensais que la base pouvait être la société civile camerounaise. Puisqu'il n'y a pas de société civile camerounaise. Pomba a tout le monde. Pomba a mis tout le monde dans la sauce. Il n'y a personne qui est neutre. Regardez ce que l'autre mendiant là, bas l'appelle Ce qu'il disait avant-hier. Et ce qu'il dit aujourd'hui. Benji Kouchonimba. La famille peut tuer quelqu'un. Et vous venez entrer dans ce jeu-là. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne faites pas la lutte de quelqu'un d'autre. Ne faites pas la lutte de quelqu'un. Chacun sait pourquoi il est ici. Chacun sait pourquoi il est ici. Vous savez, au début de cette lutte-ci, il y avait quelqu'un qu'on appelait Zogo. J'ai parlé au début, on ne m'a pas écouté. Il y a une autre personne qui est venue pour remplacer directement Zogo, Zogo. Ça n'allait plus. Et je vous avais dit ici que cette personne était passée par la Guinée équatoriale avant d'arriver ici. Et celui qui avait envoyé cette personne-là ici... À son tour et est entré en prison. À son tour et est entré en prison. Mais cette personne-là scandale, ici, vous dites, oui, tu as fait comme ça pour vouloir me tuer. Tout était le mensonge. Je vous ai dit, vous ne m'avez pas cru. Aujourd'hui, c'est encore là. On vous trimballe comme des enfants de deux ans. Comme des enfants de deux ans. Pour vous, vous dire, on vient vous attaquer avec des trucs à demi debout. Et vous suivez. On ne combat pas l'oncle maternel. On ne combat pas l'oncle maternel. J'ai envie de voir que vous êtes des personnes intelligentes. J'ai envie de voir que vous êtes des personnes, que vous êtes sages. Que vous comprenez comment ça fonctionne. Il y a les gens dans ce lutte qui ont perdu des mille et des mille et des mille. Mais il y a en a ceux qui ont dépensé plus que ces gens-là, mais n'ont jamais perdu un euro de leur poche. Utilisez votre cerveau, s'il vous plaît. Je vous avais dit que je suis la tête. Dieu l'a mis ici. Il pouvait bien mettre, même dans votre caleçon. Hein. Il pouvait mettre là, sur la partie la plus fragile. Il pouvait mettre en bas de vos pieds. Mais il l'a mis sur la tête. Ne soyez pas la honte de votre génération. Voilà la famille. Je pense que je n'ai pas été long. Je voulais dire ici que les enfants sont dans le Jamena. On les tue. Paix à leur âme. C'est parce que ce n'est pas bien coordonné. Oui, ce n'est pas bien coordonné. Et que les Africains doivent comprendre que sortir dans les rues ne doit pas être un truc de 45 minutes. Ne doit pas être un truc d'une journée. Ça doit être organisé de façon que les gens doivent sortir tous les jours. Et je vous ai dit ici que l'Afrique peut se battre n'importe comment. Tant que l'Afrique n'est pas décentralisée, on ne pourrait jamais s'en sortir. Ça, c'est un truc qui est clair pour moi. Tant que l'Afrique n'est pas décentralisé. On ne pourrait pas s'en sortir. Il n'y aura pas de concurrence. Dans tous les pays africains, que ce soit le Mali, le Mali peut dire, nous, on prend le destin la main. Mais s'il garde tout à, 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 à la capitale, il ne pourront pas s'en sortir. Si la Côte d'Ivoire dit qu'on est fort et que c'est rien qu'Abidjan qui est construit, ils ne pourront jamais s'en sortir. Vous avez compris Voilà un truc qui nous ont trompé avec. Et c'est des trucs que nos intellectuels devaient rester sur les plateaux et parler de ça. Vous voyez, ils ne parle jamais de ça. Ce n'est pas important pour eux. Ce n'est pas important. Et je vous le dis ici. On n'a pas besoin de faire BAC plus 22 pour comprendre ce que j'explique. Quelqu'un qui vit à, à Lom n'a pas besoin de s'installer qu'à Douala pour ici. Pour faire un document, n'a pas besoin de venir à Douala. Pour faire n'importe quoi, on n'a pas besoin de venir à Douala. Mais ils nous ont mis dans le système où il fallait que totalement... Je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir que quand il y a n'importe quel problème, ce colon-là, il bloque généralement la capitale. Il garde la capitale pour que ça ne les échappe pas de la main. Dans leur tête, c'est que si la capitale est contrôlée, on contrôle tout le reste du pays. Vous avez compris Mais si un pays est décentralisé, vous n'allez plus voir des terroristes. Il n'y aura plus de terroristes. Il n'y en aurait plus. C'est fini. Vous savez comment ils ont fait pour, pour bloquer totalement le maquis? C'était exactement les mêmes choses. Ils venaient dans les villages, ils suspectaient que toi tu es maquisard ou celui-là est maquisa. Vers la fin, ils ont monté le système d'autodéfense. Ça veut dire que chaque village était contrôlé par les gars du village même. Toi tu quittes un autre village pour traverser un autre village, c'est le problème. Tu ne parles de ce village-là, tu ne parles pas de cette langue-là. Ton père, ta mère, c'est qui? Tu viens d'où? C'était décentralisé. Voilà comment ils sont bloqués. C'est comme ça que le, ma le maquillage est fini. Hein. Parce que la dernière minute, c'était devenu un système de guérilla. Mais en mettant les systèmes d'autodéfense dans chaque pays, dans chaque village, contrôlé par les villageois du village, le truc s'est coupé. La crise anglophone, ils ont voulu faire les mêmes chutes, ça n'a pas fonctionné. Parce que les anglophones sont au moins à 60% solidaires. Il y a d'autres 40% qui sont encore formatés et giflés dans leur cerveau. Qui n'ont pas compris que les autres meurent, la demain, ça sera notre retour. Mais avec le temps, ils comprennent. Aujourd'hui, tous les pays africains veulent se libérer. La mamie, de coco, la train de voulait s'exploser. La France est assise dessus. Tout le monde est assis dessus pour dire, pardon, on ne sait pas que ça saute. Pardon, s'il vous plaît. Mais ça va sauter. Mais si ça saute pour sauter, on part où On part où On serait comme des esclaves quand on les a libérés au champ pour dire, ok, vous voulez être libre, voilà la liberté. Mais non, on va encore commencer à s'entretuer entre nous. C'est à cause de ce système qui n'y a pas de décentralisation qu'il y a toujours les tueries entre nous. Pour un oui ou pour un non, deux tribus prennent des armes et commencent à se tuer. Parce que rien n'est décentralisé. J'ai dit tout, tout opposant qui ne vous parle pas un français franc, c'est-à-dire que la personne ne dit pas les choses ouvertement. La personne avec nous, les activistes, a des cacheteries. Si vous vous réunissez avec lui, ça veut dire que vous n'avez rien compris de la lutte. Vous n'avez rien compris. Et un opposant, quand on est des activistes comme ça, doit laisser fuiter des informations. Doit laisser les informations sortir. Il y a les secrets de ce gouvernement-là. Que ceux qui tentent de combattre ce gouvernement auprès, ils connaissent. Ils ne nous disent pas. Demain, il va nous dire secret défense. C'est de quelle défense Vous défendez qui contre quoi vous défendez qui compte quoi Votre secret bidon que vous avez signé à la France en cachette, c'est ça, secret de défense. Secret de défense des intérêts des occidentaux. Pour nos intérêts, on ne peut qu'aller périr au Guatemala, au, au Pérou, au Mexique, en Libye, au Maroc. On ne peut que mourir ailleurs. Parce qu'il y a le secret de défense. Il faut garder les choses. Depuis que vous chantez partout le slogan « Si tel n'est pas président, c'est mieux qu'on brûle tout. » Il vous a donné l'information. Il vous a même donné l'information. Il connaît les informations. Voilà Boubini Nissab qui est en prison depuis. Voilà les Aleph Ogué qui sont en prison depuis. Voilà les, les, les prisonniers politiques de 2, 3 ans, 4 ans, les autres sont en prison depuis. On vous donne les informations. Il tente vous la tour de vouloir tout Monsieur le Président. Vous avez un smartphone comme le nôtre. Faites aussi des vidéos comme les autres opposants dans les autres pays. Branchez votre caméra. On veut vous écouter sans les tests. Ah, ce n'est pas à votre époque. Ce n'est pas à votre époque. Il y a beaucoup qui vont vous suivre. Hein. Il y a beaucoup qui vont vous suivre. Je suis un chop d'ail. Celui qui mange, mange et il meurt. On peut traîner beaucoup de personnes. Moi, on ne me traîne pas dans cette. On nous a assez traîné. On a traîné mon grand-père assez dans cette, cette histoire. Moi, on ne va pas me traîner. Vous savez, supporter un parti politique est très, très, très difficile. Je peux supporter un parti politique en Afrique aujourd'hui qui a un jeune devant qui nous raconte tout. Ça veut dire que si c'est l'océan devant, il dit que préparez-vous, hein, parce que ce qui nous ont accusés là, demain on va tomber dans l'océan. Chacun se prépare. Ceux qui veulent fuir le bateau, fuent avant. Non! Vous voulez naviguer, nous on ne voit même pas ce qu'il y a devant. On ne sent même pas les vagues d'eau. On dit montez. Tout le monde, on monte. On dit descendez. Tout le monde, on descend. On nous dit qu'il y a un gré à gré qui se prépare au Cameroun. Vous avez des informations sur ça Vous avez peur que vos amis ne vous donnent plus l'information Vous voyez souvent des films où il y a un traître du début jusqu'à la fin. Dans la dernière minute que les gars se rendent compte que le traître était même pas mieux. Mais le traître était même celui qui était très collaborateur avec le chef. Il coordonne les attaques, Il coordonne les attaques avec vous. Mais il collabore avec le camp d'en face. Dans votre esprit, c'est qui veut chasser le camp d'en face pour s'installer. Non, en réalité, il ne va jamais chasser le camp d'en face. L'opposition de crap. Il ne vous laisse pas avancer. Si, sans seulement que vous êtes un peu plus, plus déterminé, il dit Ça, ce n'est pas la logique du parti. Le parti ne veut pas ces logique là C'est quelle logique le parti veut et Il y a tous les opposants en prison. C'est quelle logique En Afrique, de nos jours, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Au Sénégal, la France a préparé celui qui va venir les remplacer. Au Cameroun, ils ont déjà préparé celui qui va remplacer. Au Tchad, ils ont tué le père pour mettre le fils. Au Burkina Faso et au, 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 en Guinée, en Guinée qu'on a ils ont pu l'ancien le journal pour dire le monsieur là, il en est parti vers la Russie. Pardon, de tu prends le contrôle. Il a renversé, il a pris le contrôle. Au Mali, ils étaient en train de les dépasser. Ça les a sautés au visage. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils n'ont pas vu venir le Mali. Le Burkina est en train de prendre tout en s'adossant plutôt sur le Mali. Et il faut que le peuple burkinabé reste avec une détermination de comprendre qu'il y aura les moments de famine. Ces gens-là sont des mercenaires. Ils sont des prédateurs. Ils sont le tueur du peuple. Ils vont vous affamer. Préparez-vous à la famine. Parce que leur système de sanctions contre les gouvernements, c'est de sanctionner le gouvernement et le gouvernement met la pression sur le peuple parce que le gouvernement lui-même n'a plus rien pour amener. À son gouvernement. Maintenant, le peuple sort dans la rue. Est-ce que vous avez compris? On sanctionne Pomba. Pomba récupère aussi le peu que le peuple a encore. Et le peuple sort dans la rue. C'est ce qu'ils ont fait au Mali. Les Maliens étaient extrêmement intelligents. J'espère que le peuple, peuple burkinabé va aussi être intelligent comme eux. Parce que les sanctions arrivent, la pression arrive. Soyez intelligents. Jouez-les aussi en 4, 4 6 comme ils ont joué depuis 1970. Comme depuis 4 siècles, ils nous jouent. On dit les élections, on va, nous on va faire les élections dans un an et demi. Un an et demi, vous, vous balancez les choses, vous repoussez devant. On change le nom de celui qui est devant. Comme la société, quand ça ne va pas, on va à quelqu'un d'autre. On se retire derrière. Mais on est toujours dans la société. Ce n'est plus votre nom qui est devant. On va aller jouer comme ça jusqu'à ce qu'on soit libre. Chaque année, les élections. On paie combien dans les élections? Si on dit à Pomba qu'il n'y aura pas les élections durant 4 ans, durant 5 ans, mais qu'avec l'argent-là, il nous construit le pays. Il est capable de le faire. Il va aller dépenser ça en Suisse. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Et que ceux qui continuent à suivre les partis politiques ne sortent pas de vos rangs pour aller suivre quelqu'un qui a un chemin que vous ne connaissez pas le bout. De. Déjà, quand quelqu'un vous dit « Mongo vous, je m'en vais au deuil. Toi-même, tu le dis, ok, je vais t'accompagner. Oh, c'était quel deuil? La première question que vous allez demander, c'est Anoboua, qui est mort. Vous n'allez pas seulement porter le panier, mettre sur votre tête pour le suivre parce que vous avez compris que c'était le deuil. Ayez l'habitude de fuir. Quittez les choses avant qu'elles vous quittent. Vous savez, il y a un dame chez nous qu'on dit... Je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais on, on explique que quand l'antilope fuit, les autres animaux le plus souvent pensent que l'antilope n'a pas appelé les autres. Il est en train de fuir. Il n'a pas appelé personne. Les élections au Cameroun ne pourraient pas libérer les prisonniers politiques. Les élections au Cameroun ne pourraient pas arrêter la crise anglophone. Les élections au Cameroun. Alors, si quelqu'un est dans son one -man show, soit vous regardez, soit vous fermez vos bouches. Soit vous regardez, soit vous la bouclez. Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Tout ce que vous allez dire, vous allez seulement vous créer des ennemis. Tout ce que vous allez dire, n'oubliez pas qu'il y a les vats en guerre seulement dans ce côté-là. Vous pensez que quand vous attaquez Pomba, tous ceux qui sont du village de Pomba pensent que c'est leurs affaires familiales là. Vous pensez qu'en attaquant l'autre, il n'y aura pas aussi les Baham qui vont sortir. C'est une religion. C'est une religion. Et vous êtes dans votre religion, vous abandonnez votre religion qui est l'activisme. Votre religion s'appelle l'activisme. Ils sont dans une religion qui s'appelle politique. Vous, vous, vous voulez laisser à croire à votre Dieu. Pour aller croire au Dieu de quelqu'un d'autre. Que lui se sait où son Dieu vit. Je vous ai dit ici sur l'université, ouvrez vos cerveaux ouvrez vos c'est On empêche la lune de se On empêche personne d'aller aux élections. On empêche personne de changer quoi que ce soit. On n'a pas la capacité de les empêcher. On n'a pas la capacité de les empêcher. Mais il faut que nous-mêmes, on s'empêche de se mêler dans des histoires qui ne nous regardent pas. Les gens se plaignent que, dont j'ai marché ici en diaspora, dont tu marchais pour quelqu'un. Tu marchais pour quelqu'un. Ne soyez pas la honte de votre génération. Je marchais pour moi-même. Je marchais pour moi-même. Quand j'ai analysé par moi-même que marcher ne pouvait pas changer quelque chose, que marcher, quand on lave même un bébé, le bébé frotte son ventre, j'ai analysé que marcher là, ne pouvait pas changer l'histoire au Cameroun. J'ai arrêté de marcher. J'ai cherché d'autres solutions. J'ai compris que les Camerounais peuvent bavader, mais ne sont pas prêts à l'offrande. Et que ceux qui t'appellent pour dire « Ok, on va faire telle chose, c'est juste pour savoir le nom des jeunes qui vont faire quelque chose au Cameroun, pour les envoyer en prison. » C'est juste ça. Tous les jeunes qu'on les a arrêtés au Cameroun, beaucoup s'ils vous expliquent comment on les a arrêtés. Mais ceux, alors, par contre, qu'on a pu donner l'information nulle part, on les a jamais arrêtés. Ils n'ont jamais eu de problème. Moi, j'ai dit aux jeunes au pays, si quelqu'un parle avec moi, j'ai plein de gens au pays que je les ai bloqués. Quand hein. ils parlent avec moi de quelque chose, et que demain même par hasard, ou même seulement sur Facebook, je vois un commentaire bizarre dans le Facebook de quelqu'un d'autre. Il dit, je ne veux pas que tu sois en prison et que tu mélanges tout le monde. Ça va Ça, c'est ton chemin pour la prison. Je le bloque. J'ai bloqué les autres, ils ont compris. J'ai bloqué les autres, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils sont en prison. Parce que c'était pour ça. Ils sont ici, c'est leur travail. C'est des services secrets qui étaient parmi nous depuis le début. Quand on bloque un, l'autre vient s'installer. Et ces gens-là vous amènent dans des histoires à dormir vous ne comprenez pas. Vous allez voir des personnes ici dans ce combat. Partout où vous partez, vous arrivez, même si vous prenez un QG, vous dormez dans le QG là-bas. Je avec tout le monde. Vous allez voir toujours, il y a un ou deux qui s'éclipsent. Ils ne toujours payer les hôtels de luxe, ils dorment. Dans vos têtes, parfois, vous pensez que non, peut-être qu'ils ont leur amant ou ils ont leurs copains qui vont aller dormir. Non. Ils veulent être en sécurité. Ils ont peur d'être démasqués en plein sommeil. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Si ça vous est arrivé, rappelez-vous ce que le colonial a dit. Mais les gens n'ont pas compris ça. Je suis resté avec des gens qui j'ai dit Regarde, regarde, regarde. Dans, dans 10 minutes, la personne va partir. Il dit Comment ça Il dit Non, tu vas voir comment la personne va partir. La personne se lève, la personne part. Mais le lendemain, la personne encore est toujours avec l'autre. Donc, ce qui a été même montré hier, ça ne t'a pas ouvert les neurones. Il a dit que la personne est là pour nous, pour nous contrôler. La personne peut faire le woman show, n'importe quoi. Mais son travail, c'est de suivre tous les moments de ce qu'on va faire. Tous les plans qu'on peut faire, on est ensemble, c'est la personne qui fait. Vous allez voir les gens marcher avec vous, ils ont deux téléphones. Vous avez une option que, une, une option que vous faites. Vous allez voir toujours la personne parfois, il écrit des messages que tu sais pas à quoi il écrit. Après, on, vous voyez seulement que de devant tout ce que vous avez fait, c'est gâté. Les gens n'ont pas compris. On vous dit qu'on défend quelqu'un. On défend l'indéfendable. Moi, je voulais rassurer à tout le monde que je suis activiste. Ma position ne changerait jamais. Je reste dans cette position-là. Ça veut dire, je ne vais jamais défendre un parti politique. Je ne vais jamais venir ici dire que s'ils avaient plutôt fait comme ça, ils gagnaient les élections. Je m'en moque et je m'en débarrasse. Puisque vos élections à la con, ne va jamais rien changer chez nous. Vos élections à la con, ne va rien changer. Rien, même pas Iota. Vous avez compris Les gens ont cru que ce qui devait arriver, ça devait changer quelque chose. Voilà bon, le nord qui vont continuer à tuer plus de personnes. C'est ce qui dit à changer quoi à part de pousser son ventre et voyager partout, il voulait aussi se poster là comme, comme président. Il veut encore refaire les élections, dépenser encore 600 milliards de nos francs pour faire les élections au Congo. Pour changer quoi Juste pour se représenter. Faire des élections pour gagner. À l'avance, vous connaissez, là, qui va gagner. Pourquoi ne pas laisser cette personne à gagner, notamment sans plus tuer le peuple Vous avez vu à la salle devant Ouattara il fait la trupatouillage pour une élection, il se triple en gardant le ballon, sachant qu'il doit le gagner. Pourquoi laisser qu'on coupe la tête d'un Ivoirien pour jouer le ballon avec Vous jouez avec nos vies. Et il y a ceux derrière qui n'arrivent pas toujours à comprendre. En Afrique, chez nous, on n'a pas besoin des élections. On a besoin de décentraliser le pays. On a besoin de décentraliser le pays. Regardez un peu le Nigeria. C'est l'état fédéral, non mais ils ont décentralisé plus ou moins un peu comme ici. Vous allez voir les gars, les bénis là, par exemple, leur village. Mais ils ont construit leur village comme, ben, comme l'Europe. Ils font les routes eux-mêmes. La diaspora cotise. On construit le pays. Vous pensez qu'ils ont besoin de cela? Pourquoi ce truc-là fonctionne dans les pays anglo-saxons Pourquoi les gens pensent que dans les pays anglo-saxons, c'est plus facile de vivre? C'est parce qu'ils tentent de vouloir décentraliser. Ils tentent de vouloir décentraliser. Je vous ai dit qu'un pays décentralisé, quelqu'un ne se bat plus pour être président. Quelqu'un ne se bat plus pour être président. Vous allez faire quoi avec la présidence? Quand étant seulement maire, vous gagnez plus d'argent même que le président là à haut. Pumba ne peut pas. La France n'accepterait pas. Par le Sénégal, tout est réuni à Dakar. Tout est réuni à Dakar. Vous pensez qu'ils peuvent accepter qu'on décentralise non, ils ont des petits noms qu'ils ont déjà créés. Théoristes. anti ceci Anti-cela. On s'en moque. On s'en moque. Et tant que ça va continuer comme ça, vous aurez ce que vous recherchez. Plus que nous, on ne va pas vous laisser faire. 400 ans d'esclaves, d'esclavage, ça suffit. Ils sont venus former les autres pour les mettre sur place, pour qu'ils nous tiennent. Quand vous regardez Pomba, là, son visage vous dit quoi? Il ne ressemble pas les gens qui cadrent les esclaves dans un champ, dans, dans une plantation. J'ai vu des Camerounais, quand j'ai dit les Camerounais, en fait, vous avez encore un autre problème, que je n'arrive pas à comprendre. Je sais pas si, je sais pas si c'est le stress, si qu'est-ce qui vous gratte, qu'est-ce qui vous dérange. J'ai vu au Cameroun, on a coupé la tête de deux bœufs. On allait mettre en route. Voilà une registration. On a mis la photo d'un Gongor là-bas et de, de l'autre. Et vous pensez un seul instant qu'ils sont en train de faire la magie pour qu'un Gongor reste au pouvoir ou pour qu'un Gongor parte. Si la magie pouvait construire un pays, c'est que le Bénin est riche. Si la magie pouvait faire quelque chose, c'est que l'Afrique a eu même cinq coupes du monde. La magie ne, ne va rien construire. Ce qu'on a mis en route, c'est pour vous distraire. Que ça n'a absolument rien à voir. On a convoqué Gongo pour la justice. Mais c'est eux qui ont nommé les juges. Il a dit qu'ils ne venaient pas. Vous avez vu comment les juges ont pris même les cahiers. Prendre leur livre pour aller suivre un gongola pour dire que c'est pas grave, reste ici, sinon on va venir t'interroger. Dans quel pays La justice dans un pays est indépendante quand le juge n'est pas nommé par un président. Quand un gouvernement nomme le juge, ce n'est plus crédible. Il travaille. Attendez, est-ce que vous salissez la main qui vous donne à manger Quel juge peut parler de loi au Cameroun Il a fait comment pour en arriver là vous allez prendre des corrompus. Regardez par exemple le chef de la police camerounaise. On va le prendre, d'ici peu là, il va vouloir aller en retraite. On va dire, bon, oh, le même magistrat, oh, le même juge, procureur de la République, vous pensez qu'il peut défendre quoi Vous regardez un mendiant de son état là, vous pensez, Marangele là, il peut défendre quoi, lui Il peut parler de quelle loi Basé sur quoi Dans ce pays-là, c'est la jungle. Ngongo, ceux qui pensent que Ngongo peut tomber, oubliez ça dans vos têtes. Ngongo ne peut pas tomber. Vous savez, Ngongo est dans un poste où on ne peut même pas les changer. Mais vous, posez-vous posez la question, non Depuis 2018, il y a quel ministre Camerounais qu'on a changé, qu'on a chassé Ils ont seulement ajouté, hein. Ils ont seulement ajouté des ministres. Prends le poste de quelqu'un l'autre pour le mettre plus haut, prendre un autre mendiant avec son ventre comme le tarot, le mettre en bas. Vous pensez que ça change quelque chose? Et je vois des individus discuter pour les élections. Les élections, qu'est-ce que. Si on va seul, on mène une personne. Vous pensez que ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Mes chers frères et sœurs, enlevez ça dans vos têtes, enlevez les querelles sur Internet, ça ne change rien. Pour que notre pays change, il faut que chaque ville soit indépendante. Ça, c'est le jour, ça, c'est la lutte africaine. Quand vous luttez avec une dirigie dans votre tête, vous allez caler sur votre position. Ne changez votre position sur rien. Ne soyez pas dans tout, parce que ça va vous rattraper après. On dit tel opposant a dit que ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Les journalistes, c'est ceux qui veulent parler de ça. Et ceux qui veulent embrouiller le peuple. Vous venez tout vous dire le contraire des choses. Aucun opposant africain francophone ne peut rien changer. Aucun. Aucun, hein. C'est pour ça que nos pays africains vivent que des coups d'état, en coup d'état. Parce que rien, tout est mis sur place de façon que rien ne peut changer. On va mettre les élections, on va faire le tapage, on va faire le tapage. À la fin, ça serait les mêmes choses. Pourquoi détruire les hommes Pourquoi tuer les hommes alors que vous connaissez ce qui se passe Quelqu'un arrive au pouvoir et dit Durant 20 ans dans ce pays, ici, il n'y a pas d'élection. Mais désormais, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il met la pointe bas, bam Celui qui parle, on le met en prison. Une dictature réelle. Même si l'Occident refuse de traiter avec vous, vous acceptez. Vous vivez dans votre pays, vous ne voyagez pas. Je vous dis quelque chose, hein. La Corée du Nord m'a montré quelque chose. À force de suivre ce pays-là, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Au lieu qu'on pratique autant de religions et être perdu comme des moutons dans une forêt, c'est même une dictature réelle. Parce qu'une dictature réelle est comme une doctrine. Ça veut dire, dès ton bas âge, on t'apprend comment vivre et comment fonctionner. Dis-moi comment on fait pour déraper pour quelque chose que tu as pris. Parce qu'il y a les gens qui, depuis qu'ils sont nés, le matin avant d'aller à l'école, ils prient. Avant de manger à la table à midi, ils prient. Moi, tu m'invites dans une maison, vous mettez la nourriture à la table. Pendant que vous allez vous prier, moi, comment il y a à manger? Et si tu m'interromps, je laisse toujours pas. je ne vois pas, je ne suis pas éduqué à ça. Je ne veux même pas prier. Donc chacun a les convictions et comment il a été élevé. Toi qui restes de loin, tu vois les gens en Corée du Nord, tu dis, ouais, ils souffrent, hein? ouais, la dictature, ils ne voient pas ça comme ça. Vos chaînes de télévision, je vous ai dit quand le villageois découvre la ville, la République est en danger, mais ils n'ont jamais rien découvert. Le pays qui est en dictature là, avait notre pays, avec tous les sous-sols, la richesse qu'il y a là, vous ne voyez pas le pays mieux construit que nous. À un moment, j'accepte une dictature propre, qui prend soin de son peuple. Laisse des ragots qui sont derrière. On dit que la communauté internationale n'accepte pas, mais on s'en moque. Qui a dit que c'est ce que la communauté internationale dit qui est bon? C'est une doctrine qu'ils nous ont mis dans le corps. On marchait ici, on manifestait. J'ai dit aux gens fatigués, quand on partait devant l'ONU, on dit, on demande que la communauté internationale va voir notre pays. Oui, la communauté internationale. Vous avez vu le Mali? Accuse la France d'avoir de, de se balader sur son, sur son territoire en bras d'océan avec des avions. Violant l'espace aérien. On les demande à l'ONU d'ouvrir une enquête sur ça. Vous avez vu, ils ouvrent quelque chose. Ça veut dire qu'on vient dans leur salon pour les demander d'ouvrir une enquête. Vous avez vu, ils ouvrent quelque chose. Voilà votre communauté internationale. Vous avez compris Voilà votre communauté internationale. Ça veut dire en un seul mot, les anglophones peuvent périr. Vous avez espoir à eux. J'ai dit, et je recommence encore, je préfère une dictature. Ça veut dire que la doctrine du bas âge, mon fils sait qu'on ne porte pas le pantalon comme ça. La chemise doit se porter comme ça. Ça n'a aucune différence avec vos religions que vous nous avez importées. Mais un vrai dictateur. Pas les mendiants. Parce que tout ce que les pombas sont là, je vous ai dit depuis. Ne salissez pas le nom de dictateur. Pomba n'est pas un dictateur. Je vous ai dit, c'est un mendiant. Ne confondez pas. Il se bat juste pour ce qu'il peut manger. Il ne se bat pas pour aider les autres. Quand Brenda se perd, là, je vous ai dit, Pomba ne peut mourir pour personne. Vous voyez, il y a des papas qui disent pour ma fille, je peux te tuer. Vous pensez que Pomba peut dire ça Vous, vous croyez que Pomba peut dire que pour sa fille, il peut te tuer. Il va plutôt tuer sa fille pour pouvoir survivre. Donc. Pour mon message de fin, sortons dans les guéguerres de tel a dit ceci. Si quelqu'un fait une publication sur vous, ne répondez pas. Si quelqu'un vous insulte, ne répondez pas. Si vous le répondez, ça veut dire que tout ce que vous nous disiez depuis là, c'était du mensonge, c'était sans conviction. Ne répondez pas aux gens. Les gens, vous ne pouvez jamais empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Ils vont toujours dire. Et en longueur de journée, ils vont toujours le dire. Vous ne pouvez pas obliger. C'est comme moi. Si vous m'obligez aujourd'hui de parler de politique, je ne, je ne sais pas parler de politique. Je ne sais pas parler de politique. C'est comme si vous prenez un petit porceau, vous dites et il faut que maintenant il a les ailes. Il faut qu'il commence à voler. Comment je vais faire pour voler Je n'ai pas des ailes. N'entrez plus dans ce guéguerre de vouloir répondre les gens à tout bout de chemin. Quelqu'un dit telle chose, laissez-le dire ce qu'il a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Nos ancêtres disaient qu'au temps du bavardage, on serait très loin. Garde ton souffle pour le chemin, le chemin est long. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les partis politiques camerounais ils savent à quel jeu ils jouent. Laissez-le dans leur jeu. Parce qu'ils sont arbitres, juges de touche, attaquants au milieu de terrain eux-mêmes. C'est eux qui portent le numéro 9. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si on dit qu'on est dans une lutte de libération pour le peuple noir, c'est une lutte permanente. Et on ne doit pas entrer dans des guégués avec les gens. Quelqu'un soit fait un poste sur vous ou sur n'importe quoi, ne dites pas que vous allez défendre. Acceptez seulement. Acceptez. La personne est dans son rôle. Si vous entrez dans son rôle, alors on a tout perdu. On a tout perdu. Vous perdez la crédibilité, vous perdez la confiance. On n'arrive plus à vous écouter. On n'arrive plus à vous écouter parce que tout ce que vous allez dire, on voit que le reflet de cette personne-là. Regardez un peu ce que la France fait ces jours-ci. Prenez l'exemple simple. Depuis là, la Russie, Poutine n'a jamais parlé du Mali ou parlé des problèmes africains tous les jours. Macron ne parle pas un mot sans dire la Russie. Mais Finalement, toute la jeunesse africaine, ils ne comprennent pas russe. Ils comprennent plus le français. Mais maintenant, on dit qu'on ne jette que le caillou sur l'arbre fruitier. Qu'est-ce que fait la France Il fait la promotion de Poutine. La France fait la promotion de Poutine. Laissez que les autres font votre promotion. Quand ils parlent de vous, en bien ou en mal, vous acceptez. Levez les mains à l'air, vous acceptez que tout ce qu'on vous accuse, vous n'avez pas la force pour défendre. Parce que vous avez accepté. S'il vous plaît. À ça, je vous remercie. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche à 15h. Les problèmes du tchat. Les activistes tchadiens doivent apprendre notre approche. Vous avez, vous avez la jeunesse qui sont courageux de sortir dans la rue. Ce qui nous manque à nous, on a de la technologie ou les pensées, ou ce qu'on peut les expliquer, comment quand ils seront dans la rue, comment se comporter. Mais par contre, nous, pour, notre population sont somnambules. Ils ne sortent pas dehors. Ils dorment. Je vous avais dit ici qu'on ne peut pas tuer un enfant dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Décapiter des enfants. Les mamans se lèvent, pas au marché, ils pas à manger, ils viennent à la maison manger, ils dorment. Ça ne peut pas se passer en Afrique de l'Ouest. Une guerre, comme ce qui se passe dans le... Un génocide, comme ce qui se passe dans le Nord-Ouest, le Sud-Ouest. Ça, ça ne se passe pas en Afrique de l'Ouest. Ça ne va pas durer 5 ans, 6 ans. Impossible. À la capitale, les gens vont commencer à marcher pour dire arrêtez cette guerre-là. Le gouvernement va arrêter. Pomba tient les Camerounais comme ça à main. Il sait que s'il fait... Ils vont s'envoler tous. Pour sait comment le Camerounais se comporte. La preuve... J'ai discuté hier avec un ami. Je lui ai dit, mon peuple a un esprit de mendicité. Et que je ne sais pas comment on a fait pour en arriver là. Il me dit, mendicité en quoi? Pendant qu'on discutait, il y a un gars qui était là. Il dit non, big. Euh, C'est que tu... Ça, je ne peux pas accepter. Quand tu parles de mendicité, que les Camerounais sont des mendiants, je l'ai dit. Je n'ai pas dit que les Camerounais sont J'ai dit que vous avez un esprit de mendicité. Jusqu'à là, ils n'arrivaient pas à comprendre. Tu sais, quand vous discutez avec des gens, qu'ils ont toujours fréquenté et qui savent que tu n'as pas fréquenté, ils tentent de vouloir te faire comprendre que ce que tu dis là toi tu ne comprends pas. Le gars a déposé une bouteille de whisky sans faire la publicité. Ils ont ouvert la bouteille de whisky. Ils ont bu toute la bouteille. Le gars a déposé une deuxième bouteille. Il était à minuit trente. J'ai dit, moi, je rentre. Il y a deux petits que je dois les déposer. Ils ne sont pas rentrés. Ils ont continué à se servir. Ce matin, on est arrivé au 2-0 le matin. Tellement sous, incapables, ils ne peuvent même pas jouer. Alors qu'ils sont censés être l'autre est attaquant, l'autre est milieu de terrain. Ils n'ont pas pu jouer, parce qu'ils ont restés dehors sous. Je suis revenu vers lui, je lui ai dit, tu as vu ce que je parlais a de l'esprit de la mendicité. Il dit, non. Il dit, l'esprit de la mendicité, c'est que quand tu manges, tu veux à tout prix, tout finir, parce que tu ne pas voir l'autre après. Alors que tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux bien te payer ce whisky là à la maison. Mais comme tu as été éduqué de manger sans savoir, tu vas remanger après. C'est ça l'esprit de mendicité. Tu voilà maintenant tu es sous, tu peux même pas courir au stade. Tu as compris ce que faut aller. Parce que dans la vie, quand on dit aux gens, esprit de mendicité, ils ne comprennent pas ce que c'est. Quelqu'un qui mangeait un seul repas à midi chez eux, il ne savait plus s'il va remanger avant que la soirée n'arrive. Peu importe ce que tu le temps en chemin, il mange. Parce qu'il n'est pas su de remanger après. Et ça finit par grandir dans son cerveau. Il peut être même milliardaire demain. Il reste un mendiant de nature. C'est le problème que Pomba a. Que le Dieu nous enseigne et vous quand Rendez-vous dimanche à 15h.